Dernière petite chose. On quitte. Ouais. Je vais faire ceci. Ouais, c'est XSE 4.12. Préférence 3, 1, 1, c'est bon. On va laisser comme ça. Alors, lui, il me dit que j'ai des mises à jour. On va voir si le gestionnaire de mise à jour fonctionne. Utiliser l'option double-yes de apt-get pour dist upgrade. Ok. Valider. Et on va voir comment ça fonctionne. Ok. We'll be right back.
We'll be right back.
Alors, apparemment, oui, apparemment, ça ne se serait pas très bien passé, comme on peut le voir, oui. Je pense bien. Ah, je me suis comporté comme un... Voilà, il y a un paquet. Je me suis comporté comme un utilisateur, on va dire, lambda. Moi, j'ai voulu faire les mises à jour, je les ai faites. Voilà. Donc, ce n'est pas très concluant. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Corriger d'abord les paquets cassés. Voilà. Je pourrais dire... Je pourrais dire... Pas de problème lors de l'installation. Pas de problème lors de la personnalisation. Réactive, légère, fluide. Un peu en retrait au niveau des versions, mais c'est normal, c'est Debian, donc on a un système stable. Les outils MX, super bonne idée. Évidemment, voilà. Super bonne idée. Gestion de la... L'utilisation de la RAM et du temps processeur, nickel. Petit bémol, ben gros bémol, mais à cause de ça, ben... ça annule peut-être toutes ses qualités, moi je dirais. Voilà, j'ai voulu faire la mise à jour totale du système et voilà avec quoi je me retrouve. Maintenant, il y a un paquet cassé et je vais pas m'amuser à le corriger. Peut-être qu'en le corrigeant, je retrouverai un système stable. Mais si c'est un utilisateur, on va dire, qui vient d'arriver sur Linux, qui utilise sa distribution et qui se mêle de faire les mises à jour, voilà avec quoi il se retrouve. Ok. Là, en fait, j'ai utilisé dist upgrade. On est d'accord? Je n'aurais peut-être pas dû, tout simplement. Merde, évidemment, je me suis sûrement trompé. De façon... hop, il me semble bien. Voilà, le groupe est censé. Alors ce qu'on fait, vous pouvez lancer apt, donc apt-get espace-f, donc force, hein. Force install pour corriger ces problèmes. Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites. MX Event Sound, donc ce qu'on va faire, on fait ceci. Voilà, on fait copier, on va quand même essayer, on va faire donc sudo espace. On colle. Voilà, on va faire donc oui. Alors, juste une petite question qui nous vient de la part de Padit. Juste une petite question quand tu auras fini. Où tu trouves tes musiques de fond qui sont super. Eh ben, je n'ai pas de mérite. Tu sais pourquoi? Mes musiques de fond, elles viennent de YouTube, tout simplement. Soit tu t'amuses à passer. Je vais montrer après. Attends. Faut pas que j'oublie. Hein. Faut que je montre après. Quoique. Je vais montrer maintenant, hein. En attendant que ça travaille. Alors, en gros,
Soit. Tu passes par l'outil. Donc, gestionnaire de vidéo. Créer. Voilà, tu as accès à la bibliothèque audio. Tu peux choisir par genre, par humeur. Donc, tu peux dire que toi, tu veux du rock, hein, avec une humeur dramatique. Tu peux choisir les instruments, la durée. Enfin, tu fais ce que tu veux. Tu peux la mettre en favori. Et là, tu cliques, tu la télécharges. Attention, par exemple, ici, paternité Creative Commons. Donc, si tu cliques, vous êtes libre d'utiliser ce morceau et de monétiser votre vidéo. Mais vous devez inclure les éléments suivants dans la description. Donc, si je veux l'utiliser dans la description, je dois y mentionner ceci. Ok, attention que là, ce sera mis URL artiste dans la description. Donc, ce que tu fais clic droit, ouvrir un nouvel onglet et tu remplaces URL artiste par ce lien. Voilà, tu peux faire ça. Ou alors, YouTube est tout simplement, tu tapes musique libre de droit et voilà. Tu vas par exemple ici, ici l'acte de playlist, ici, voilà toutes les, oh bah regarde, ça se met en route, yeah, playlist, voilà, tu t'amuses, tu essaies de trouver un petit soft pour télécharger la playlist en entière. T'as des playlists, ici ça va encore, mais t'en as avec plus de 100 morceaux. Voilà. Et ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec... Ah, maudit OneDrive. Perso, perso, live, zik, voilà. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, une nouvelle version de smb.conf du fichier de configuration. Donc, smb.conf est disponible, mais la version actuelle utilisée a déjà été modifiée localement. Action souhaitée pour le fichier de configuration, modifier smb.conf, garder la version actuelle installée. Donc, j'utilise tab, j'ai dit tab. Tab, ok. Ok, je connais la musique YouTube, mais je savais pas qu'il y en avait des aussi belles que ça. Ah, si. Alors. Excepté par défaut. Il y a juste, ouais, je te préviens maintenant, il vaut mieux prévenir. J'ai téléchargé pas mal de musique qui venait des playlists. Voilà, moi je voyais musique libre de droit, j'ai pris. Je les ai mis dans Nulloy. Hein. Et voilà, je faisais une boucle sur la playlist. Et puis j'ai eu des restrictions, enfin j'ai pas eu de restrictions sur certaines vidéos, mais j'ai eu des rappels à l'ordre. Comme quoi certaines musiques n'étaient pas libres de droit. Donc, c'est rare, je l'ai eu deux fois. Donc, ce que j'ai fait, YouTube me spécifiait le titre qui n'était pas libre de droit et je l'ai bazardé de ma playlist. Voilà, ça pourrait arriver. Mais je comprends pas comment eux n'ont pas des petits soucis non plus. Voilà. Il y a juste un. Donc, on recommence, on attend. On va voir si on peut la réparer cette distribution.
Allez, mix. Allez et mix. Mais non, Alain, pas un bleu de travail. Regarde, je n'ai utilisé que des commandes. Alors, il me retourne une erreur. MX, ouais, bah apparemment ça n'a pas encore. Oh là, attendez, j'ai fait une bêtise. J'étais sur l'autre écran. Ça ne m'a pas corrigé. Je vais passer par le terminal. Je suis plus obligé de mettre get, apt, get. Ça ne corrigera pas. Ce qui est cassé, là, je crois. Ce que je fais avec mes vidéos, j'utilise des musiques libres de droit, mais j'utilise aussi une application sur mon téléphone, SoundHound. Et si elle ne détecte pas la musique, c'est OK pour YouTube. Ah, ben c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour l'info. Merci à toi. Allez, on va aller. Oh là 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 là, je suis toujours sur l'autre écran. On va aller jusqu'au bout. Ouais, à mon avis, ça n'a rien corrigé du tout. Ça n'a rien corrigé du tout. Hop là. Hop là. On va quand même redémarrer. Mais si jamais on se quittera là-dessus, on se quittera sur une distribution cassée. Pourtant, j'ai utilisé l'outil de mise à jour prévu. Hein. Ah. J'ai mon écran, je l'avais pas tantôt. Ah. Il y a moyen de la refaire. Ben voilà, ben on ne va pas se quitter. On ne va pas se quitter sur un échec. Donc ici, apparemment, et c'est qui l'a cassé? Ah ben c'était moi, Alain. C'était moi qui l'avais cassé. Je m'excuse, Alain. Mais voilà, on ne va pas se quitter sur un échec. Donc, puisqu'on a réparé le paquet cassé, maintenant on va voir si. Donc là, je passe par l'utilitaire de mise à jour qui est prévu. Je ne devrais pas avoir de message. Donc c'est synaptique en fait. Je recharge. Je ne devrais pas avoir de message d'erreur. Je vois échec translation. Si je fais tout mettre à niveau. Apparemment, c'est bon. Bah, apparemment, c'est bon. Ouais, apparemment, c'est bon. Et j'espère que ce live, il s'en sort bien, Maury. Je te rassure, Alain, c'est pas toujours comme ça. J'ai déjà cassé des distributions et ne jamais réussir à les remettre sur pied. C'est rare. D'ailleurs, je m'en rappelle. Ça fait déjà un petit temps maintenant. Mais ça m'est déjà arrivé. Celui qui dit que ça lui est jamais arrivé, bah il y en a sûrement, hein. Il y en a, mais voilà. Ce sont des pros. Moi, je suis pas un pro. J'espère que ce live vous aura plu. Ben moi, il m'a plu. Oh, le gros coup. Moi, il m'a plu. Il m'a plu et le pro. Oh putain, comme ça lag. Ouais, mais il fait sombre. Le prochain rendez-vous, ce sera. J'espère. Hein. Alain, il sait bien, j'annule beaucoup de fois. Cool, bien joué. Bah, il n'y a pas de mérite. Hein. J'ai juste. Donc, sudo apt-get update et upgrade. J'ai eu un paquet cassé. J'ai juste utilisé la commande -f install. Hein, donc, pour réparer le paquet cassé. Puis, j'ai refait un update upgrade. Voilà, c'est tout. J'ai suivi ce que le terminal me disait. Donc, j'ai pas de mérite. Un pro, c'est un mec qui n'a pas besoin que le terminal le guide.
Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est pas demain. Demain, j'espère. Ce que vous avez vu, j'annule beaucoup. Je dis pas que j'annule, mais je recule beaucoup de fois. Voilà. Et ce sera sur Chapeau. Chapeau 24, qui est basé sur Fedora 24. Allez, moi je vous dis. Je vous dis bye bye. Allez. Ciao les amis. We'll be right back.